Hatujui kama tutaishi haya mwae unagana. Unagana inakuwa ya danger sana. Sana. Unagana inakuwa ya hatari sana sana. Njoo hivi hivi kwa mwae unagana. Eh? Vraiment mutone maisha vraiment. Eh? Njoo wale wanaingia mamao. Unaona? Marama wanaume wale wanaingia mutere. Njoo wale wanaingia. Wanachomokea nyuma boda. Toka pale. Chentana nzi kwa bemera ngo minjire ngo. Nzi kwa somera ni mbundo ngo bazinjira. Nani? Oya hano suzi ngo bagiye. Ugasanga bwa hayinzira bagende basanga bagenzi ba ngi. Bonjour à toutes, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le mardi 14 juin 2022. Comme d'habitude, des entretiens exclusifs. Congo Live, on est là pour en tout cas vous apporter, vous amener, vous mettre au courant de tout ce qui se passe partout en République démocratique du Congo. Mais nous, c'est spécialement sécurité au Kivu. Et ces derniers temps, vous savez ce qui se passe dans les Rutshuru. On est là, en exclusivité. Espoir Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes. Paul et à nos compatriotes et courage à nos vaillants FARDC. Merci mesdames et messieurs de partout. Vous êtes en train de suivre Congo Live Télévision. Je vous rappelle que nous revenons ce matin sur ce communiqué de l'armée congolaise, en tout cas qui accuse encore une fois de plus le Rwanda de faire invasion en République démocratique du Congo. Vous le savez, hier lundi, nous sommes revenus toute la journée sur cette question par rapport à la prise de Bunagana, une cité en tout cas stratégique pour d'ailleurs la République démocratique du Congo, mais qui contrôle aujourd'hui les rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, espoir ce matin, parle-nous, nous sommes mardi, sont les dernières informations que vous savez. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains. L'un, en tout cas, de nos invités, vous spécialisez également sur la question de l'Est, surtout liée à la sécurité. Quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin? Les dernières informations que nous avons, c'est l'occupation illégale de notre cité de Bunagana par ces inciviques terroristes de l'M23, soutenus par leurs alliés rwandais. Il y a d'autres compatriotes qui nous disent qu'il y aurait même certains militaires en provenance de l'Ouganda qui ont soutenu ces terroristes. C'est qu'il nous reste à élucider s'il s'avère qu'il y a ceux-là qui sont venus de l'Ouganda pour soutenir ces inciviques, et chose qui poussera à la population congolaise en général de réagir d'une autre manière purement populaire, puisque on comprend que l'ennemi s'est dissimulé dans la population, et c'est cette même population qui cherchera une solution pour la sécurité, monsieur le journaliste.
Voilà, on sait bien que c'est depuis hier en tout cas que nous avons appris d'ailleurs aux heures du matin. Et d'ailleurs, je me rappelle dans un entretien qu'on a fait hier, très tôt le matin, en exclusivité sur Congo Live, on a annoncé que Bunagana était déjà contrôlé par le M23, bien que c'est dans la soirée que l'armée congolaise est venue en tout cas confirmer cette information. Mais depuis la prise de Bunagana par le M23, il y a la population qui alerte sur plusieurs atrocités, plusieurs cas et plusieurs viols commis au sein de la population. Est-ce que vous avez pu documenter sur tout ce qui se passe depuis que les M23 sont dans le Bunagana? Oui, nous sommes en train de recevoir beaucoup d'alertes. Vous savez que nos numéros officiels sont en ligne. Et il y a beaucoup d'abus, de violations graves des droits de l'homme quand il s'agit réellement de violences faites à la femme, puisqu'on a eu qu'il y aurait plus de 5 femmes qui, dans la matinée d'hier, ont été déjà violées par ces terroristes. Et il y a même des pillages de biens de la population, monsieur les journalistes, c'est qu'il y a un pillage systématique et il s'avère que ces biens qu'on vole à la population traversent directement au Rwanda. Chose grave, les victimes qu'on viole et jusqu'à maintenant ne sont même pas encore soignées. C'est que nous craignons qu'il y ait propagation, puisque vous savez que la plupart entre eux sont atteints par le sida, qu'il y ait propagation de cette fameuse maladie, mais aussi ils cherchent à tout prix de déstabiliser la population, puisque attention, quand on viole 5 femmes dans une seule journée, c'est un danger, monsieur les journalistes. Et nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous réclamons qu'il y ait justice immédiate et qu'il y ait retrait dans l'urgence de ces inciviques pour protéger les populations civiles, monsieur les journalistes. Alors, est-ce que vraiment, parce qu'en suivant la communication, les communiqués rendus publics par l'armée, disons l'armée congolaise, on parle que les Rwandais, en tout cas, fait invasion en RDC. Que fait notre armée concrètement? Nous attendons quoi pour riposter? Non, vous savez, nos vaillants de l'FRDC, ils ont purement raison. Quand on parle de l'évasion, c'est lorsque un pays se donne ce pouvoir, cette compétence d'attaquer un autre pays. Et nous autres, la République démocratique du Congo, on a été attaqué par les Rwandais. Et quand on envahit, c'est envie d'obtenir quelque chose. Et une des choses qu'ils réclament, jusqu'à maintenant qu'ils restent flous, ils sont venus aux rescousses de leurs chiens de chasse qui sont les M23. Et notre armée, nous avons quand même l'armée qui est parmi l'armée, les armées les plus éduquées au monde, monsieur le journaliste. Et ils ne peuvent pas riposter en pleine cité, monsieur le journaliste. Vous savez, Bunagana compte aujourd'hui plus de 800 000 habitants. Et on ne peut pas mener une guerre en pleine. C'est comme une mini-ville, monsieur le journaliste. Et notre armée ne pouvait pas échanger des tirs comme ça pour éviter qu'il n'y ait pas la perte énorme de nos populations, monsieur le journaliste. C'est pourquoi vous les avez vus se retirer pour se préparer. D'autres disent qu'il s'agit d'un retrait politique. Je ne peux pas les nier ni les confirmer. Tout simplement, la politique de la sous-région, c'est un peu complexe. Mais chez nous, nous savons qu'il y a un retrait stratégique. Et ils sont retirés, tout simplement, puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait perte énorme de vie humaine, monsieur le journaliste. Alors, avant qu'on parle un peu de ces communiqués, parce qu'on a vu aussi les communiqués de M23 qu'ils ont rendu public hier soir. Mais revenons sur ce point-là que vous avez évoqué par rapport aux abris que ces rebelles commencent à commettre au sein de la population dans les Bunagana. Mais selon vous, parce qu'en lisant les communiqués de M23, c'est loin de leurs revendications par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les Bunagana. Selon vous, pourquoi les rebelles se donneraient à commettre tous ces actes-là au sein de la population?
Non, il faut savoir, monsieur le journaliste, il faut d'abord revenir sur leur communiqué. C'est bien clair, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ne peuvent pas commettre ces gaffes et admettre qu'ils ont commis ces gaffes, monsieur le journaliste. Mais c'est leur habitude. Rappelez-vous en 2012, quand ils sont venus encore dans cette ville, ce qu'ils avaient commis, il y a encore des séquelles. Et c'est parmi leurs objectifs, monsieur le journaliste. Quand on arrive quelque part, il faut faire comme ça, pour terrifier la population. Et imaginez la maman qu'on a violée. Est-ce que son petit-fils ou bien son enfant va refuser à tempérer aux ordres de ces inciviques? C'est que c'est parmi leurs modes opératoires pour faire assimiler leur pouvoir à la population. Il faut les terrifier, il faut violer et mutiler d'autres, monsieur le journaliste. C'est que nous pensons, nous autres, que la population doivent normalement se désolidariser de ces inciviques vu ce qu'ils font et ce qu'ils commettent quand ils arrivent dans cette ville et partout où ils passent, ce qu'ils ont toujours fait, monsieur le journaliste. La prise de la cité de Bouragana n'est pas un acte prémédité. Notre mouvement réaffirme son engagement à poursuivre la recherche de la réponse à ces revendications par les voies pacifiques. Ça, c'est le communiqué M23. Les revendications, c'est entre autres faire un dialogue, dialoguer donc avec le gouvernement congolais. Donc vous comprenez que la reprise de Bouragana n'est pas un acte prémédité. Comment vous analysez cela? Je vois qu'ils sont moins intelligents. Qu'est-ce qu'ils appellent acte prémédité? Quand on parle de l'acte prémédité, c'est que ça a été prévu, il y a eu le temps pour la préparation. Et vous ne pouvez pas attaquer toute une cité et dire que vous n'avez rien prévu, monsieur le journaliste, c'est qu'ils ont beaucoup planifié, puisque ils ont été pourchassés par les FARDC à Bougoussa. Ils ont été mis hors état de nuire. Et c'est maintenant qu'ils ont contourné vers Bounagana, ce qu'ils savaient, ils avaient déjà à leur carte. Et s'ils réclament qu'il y ait dialogue avec le gouvernement, est-ce qu'il faut qu'il y ait prise d'armes pour qu'il y ait dialogue? C'est impossible. Ils peuvent facilement demander ce dialogue au gouvernement sans armes. Mais comme ils sont habitués à ça, nous savons la culture rwandaise, c'est la guerre ou rien. La culture rwandaise, c'est qu'il y ait écoulement de sang. Et puis là-bas, on va les écouter. Voilà. Et leur dialogue, c'est qu'ils revendiquent dans ce qu'ils négocient avec le gouvernement, qu'il y ait considération de leur grade. Mais c'est impossible. Nous, ça est aboli, monsieur le journaliste. On ne peut plus recruter les inciviques. C'est pourquoi vous voyez des colonels qui tirent sur les civils en pleine journée. C'est pourquoi vous voyez des policiers qui tirent sur les manifestants en pleine journée. C'est pourquoi vous voyez des militaires qui, lorsqu'ils arrivent ici, c'est qu'ils sont, c'est violer seulement, c'est donner les secrets d'État aux pays voisins, c'est donner des secrets d'État à n'importe qui. Et c'est ce qu'ils veulent encore, qu'il y ait cette énième infiltration au sein de l'armée congolaise. Ils nous ont infiltrés sur le plan politique en 2018, quand ils ont créé leur parti politique. Ils veulent encore nous infiltrer sur le plan militaire. Ils ont négocié l'amnistie avec Kabila en 2018. Ils ont signé l'amnistie de 2006 en 2014. Vous voyez, c'est que c'est archaïque. La population en général est déjà informée sur ce qui se passe. Comprenez que ça ne va plus marcher, monsieur le journaliste. Mais qu'ils déposent les armes et qu'ils demandent le rapatriement chez eux, qu'ils rentrent chez eux. Point barre. Mais le fait que vous le dites, déjà, on voit des exactions commises dans les chefs de la population, des viols, des tueries et autres cas. Donc, comme vous le dites également, est-ce que pendant qu'on voit tous ces actes commis, est-ce que pensez-vous que le gouvernement pourra encore discuter avec, et bien que Kinshasa avait déjà annoncé qu'il ne discutera pas avec les M23, même avant qu'il les qualifie comme un mouvement terroriste. Est-ce que pensez-vous, ou bien vous ne voyez pas que les M23 est en train de perdre même la chance de dialoguer avec le gouvernement congolais? En matière de propagande de la guerre, en matière de vouloir obtenir quelque chose, puisque eux pensent que leur tactique, c'est de tuer les gens, et cela va pousser au gouvernement de renégocier avec eux.
Or, actuellement, au XXIe siècle, monsieur le journaliste, nous sommes en train de le voir, que ce soit en Ukraine, que, comme ça a été en Syrie, comme ça a été en Irak, je ne compte plus que ce gouvernement puisse se déterminer et décider de dialoguer avec les M23. Ils sont en train de perdre complètement cette opportunité qui leur avait été offerte au Kenya. Et vous avez vu la population dans la ville de Goma et de Butembo, de Beni, qui se décide de manifester. Tout simplement, ils exigent qu'il y ait fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et que nos compatriotes qui vivent au Rwanda rentrent chez nous. Et c'est là, et même les Rwanda, ils ne sont même pas en train de voir que ces alliés, leurs alliés qui sont en train de soutenir, ceux qui sont en train de créer chez eux comme incident. Quand on va fermer nos frontières, nous la population, qu'on va fermer la frontière, comprenez qu'ils ne vont plus venir chez nous s'approvisionner. Et nous n'allons plus nous approvisionner chez eux. Nous, on peut cultiver chez nous. Et on peut tout produire chez nous. Et là-bas, ils vont souffrir. Ils sont en train de vouloir créer une méfiance populaire entre la population rwandaise et congolaise. Mais c'est eux les meilleurs perdants. Puisque nous, on va appeler la communauté internationale de bien s'enquérir de cette situation et de voir les abus qui sont en train de commettre à Rutshuru. Et demain, après-demain, nous n'allons plus citer M23, ces terroristes. On va citer directement cet arbre qui cache toute une forêt qui est le Rwanda, monsieur le journaliste. C'est que si on dit dialogue avec les gouvernements, avec les M23, directement on dialogue avec les Rwandais. Or, c'est impossible, nous ne sommes plus à ce stade, monsieur le journaliste. D'accord. Nous avons suivi, il y a donc les Rwandais qui estiment que la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, prend parti pour Kinshasa dans un climat de tension entre des pays qui s'acquisent mutuellement d'attaques transfrontalières et de soutenir des groupes armés depuis plusieurs semaines. Ça, c'est un tweet de Kigali qui a été relayé par plusieurs médias étrangers, entre autres Africa News, TV5 et autres. Comment vous en disiez cela? Il y a donc le gouvernement rwandais qui estime que la MONUSCO, qui est une mission onusienne en RDC, prend parti pour le gouvernement congolais. Ça vous dit quoi là? Non, c'est... Nous, la population, longtemps meurtrie. D'abord, je crois que ça, c'est vouloir faire publicité pour la MONUSCO. Mais au-delà de ça, c'est tout à fait normal. La MONUSCO, elle est au Congo. Il y a des accords entre l'ONU et le gouvernement congolais. Donc, la MONUSCO, elle est là pour protéger également les civils. C'est tout à fait normal. Mais la question, c'est de comprendre comment, quand les Rwandais constatent que la MONUSCO fait son travail, intervient aux côtés des FRDC. C'est vrai, nous avons suivi plusieurs communications de l'armée qui annoncent, qui parlent que les opérations, qui s'allient également l'intervention de la MONUSCO à leur côté. Maintenant, j'ai l'impression que ça dérange les Rwandais quand ils voient la MONUSCO travailler aux côtés des FARDC, tout en oubliant que la MONUSCO a une mission avec le gouvernement congolais, surtout entre autres de protéger les civils et aussi travailler avec de faire aussi des opérations conjointes avec l'armée congolaise. Pourquoi et comment ça dérange les Rwandais? Non, ils doivent se sentir frustrés, tout simplement, puisque la MONUSCO fait maintenant sa mission principale. Et à l'époque où la MONUSCO ne faisait pas sa mission principale, est-ce que vous les sentez parler? Non, ne parlez pas. Et il est de leur droit et de leur devoir d'ailleurs primordial, qui est de la protection civile, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, quand même, nous constatons quand même quelques avancées. Et il faut savoir aussi que la MONUSCO a perdu quelques de ses éléments à cause de ses inciviques venus du Rwanda. Et penser que réellement, il nous fallait faire comme on a toujours fait et la MONUSCO va croiser les bras. Non, ils doivent comprendre que les choses ont évolué et la MONUSCO, ils se sont décidés d'opérer d'une manière conjointe avec l'armée congolaise. C'est tout à fait normal que la MONUSCO puisse déclarer, puisse soutenir la République démocratique du Congo. Alors, tout en maintenant leur neutralité, puisque l'ONU est neutre, mais les Rwandais doivent à
accepter et demander pardon. Et la Monisco n'existe pas beaucoup de choses au Rwanda, monsieur le journaliste. La Monisco existe qui est retrait de ses militaires, point barre, monsieur le journaliste. Alors, est-ce que si moi je demande libérer le sol de mon allié, en quoi ça peut vous choquer si vous n'êtes pas concerné? Si réellement il n'était pas coupable, il devait se taire et ne pas accuser la Monisco. La Monisco, ils ont tout ce qui est exigé comme matériel. Et ils ont prouvé noir sur blanc comment est-ce que ce petit pays de 1000 communes ont violé leur territoire. Alors, est-ce que eux veulent que la Monisco puisse accompagner qui est prise d'une portion du sol congolais? C'est impossible. Ils doivent assumer les responsabilités et s'ils veulent la paix pour éviter qu'il n'y ait plus autre drame que ce qu'on a vécu en 94, ils doivent complètement se retirer sur le sol congolais et dire à leur chien de chasse qui est l'M23 qui se retire en RDC. Point barre. D'accord. Nous tendons vers cet entretien exclusif, mesdames et messieurs, vous nous suivez. Je vous rappelle que c'est Congo Live Télévision en exclusivité. Nous couvrons en tout cas cette guerre, cette invasion du Rwanda sur le sol congolais. Nous avons nos invités, Monsieur Espoir, et il est en tout cas un spécialiste dans la région. Il s'intéresse beaucoup plus en tout cas à la question liée à la sécurité. Il est notre analyste. Il intervient toujours aussi Congo Live en exclusivité. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle, si vous nous avez pris en cours de diffusion, donc c'est Congo Live, n'hésitez pas, surtout si vous aimez nos interviews, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, abonnez-vous également sur notre chaîne. Alors, comme nous tendons vers la fin, monsieur Mouinouka, la cité de Bunagana, qui est une cité frontalière avec l'Ouganda, est très stratégique également pour les deux pays. Plusieurs analystes comme vous s'inquiètent en tout cas d'une fraude qui peut se passer dans cette cité, d'autres actes illégaux. Ça, c'est tout à fait normal parce que la cité, elle est contrôlée par un autre pays. Ça, c'est l'armée d'ailleurs qui l'a annoncé. Donc, contrôlée par les Rwandais à travers leur rebelle M23. Ça, c'est l'armée congolaise qui l'a annoncé. Au-delà des actes commis, des viols, des tueries, des vols, qu'est-ce qu'autre on peut craindre? Parce que, vous savez, on ne comprend pas, c'est vrai. C'est vrai bien que l'armée, c'est... s'est retiré de dans cette cité. Mais au-delà de ça, il y a le M23 qui appelle toujours Kinshasa au dialogue pour dire que si jamais Kinshasa ne dialogue pas avec eux, il ne faut pas se retirer de Bunagana. Pendant que Bunagana, c'est une cité, en tout cas, très stratégique pour la RDC également. Très important, il faut le dire également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette cité. Qu'est-ce qu'on peut craindre, monsieur Mouinouka? À part ce vol systématique, il faut en craindre aussi qu'il y ait crise économique, monsieur le journaliste, puisque la province Nord Kivu compte aussi à ses frontières. Et Bunagana, c'est parmi les frontières qui font entrer des millions dans la province. Et aujourd'hui, ces millions sera directement encaissé dans les trésors rwandais. C'est qu'il fallait plutôt réfléchir à la prévention. Et cette prévention, on doit être la fermeture de cette frontière. Et quand on va fermer... Donc, comment on va fermer encore? C'est déjà sous contrôle d'une rébellion. Non, c'est possible. C'est possible. Il faut tout simplement interdire qu'il n'y ait plus entrée et sortie. Mais nous... Mais c'est eux qui contrôlent. Exactement. Nous avons des accords avec l'Ouganda, monsieur le journaliste. Tout simplement, on peut saisir l'Ouganda qu'on ne veut plus qu'il y ait... qu'il n'y ait plus mouvement. Mais aussi, ils ont tout fait pour que les Rwandais puissent bénéficier. Dans quelle façon? Ils veulent que, comme là-bas, le gouvernement va réagir, qu'il y ait fermeture, que tout passe maintenant à travers ce qui devrait venir ici chez nous, en RDC, entre l'Ouganda et la RDC, que ça puisse passer par l'Ouganda et les Rwandais pour arriver en RDC. Et pour nous autres, pour éviter qu'il y ait trop de dérapages,
C'est que qui est comme là-bas, ils veulent contrôler, confirme ici, confirme là-bas. Ça confirme des frontières même ici à Goma. Confirme des frontières même ici à Goma, quoi qu'il y aura déstabilisation économique, mais on va prévenir quand même. Ça permet aussi les conséquences de la guerre. Exactement, mais on va prévenir qu'il n'y ait plus beaucoup de dérapages, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, il faut comprendre que il n'est plus question de se dorloter. Quand on est envahi, puisqu'on a vu l'Ukraine comment se défendre. Malheureusement, l'hypocrisie aussi de la communauté internationale, mais il ne fallait pas qu'il y ait l'œil seulement sur l'Ukraine, mais il fallait qu'il y ait aussi l'œil sur la RDC, puisque nous sommes membres de cette dite communauté, et nous ne pouvons pas être dans une relation D'accord. où les uns seront victimes et les laisser à leur triste sort. D'accord. Et que les autres, lorsqu'ils sont victimisés, Merci. On va les aider. Merci. Il faut prévenir, puisque si ça persiste, il y a risque que même les populations civiles soient touchées totalement. Puisque Merci. Nous sommes déjà touchés à travers nos compatriotes de Bounagana, monsieur le journaliste. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Espoir. Nous sommes à la fête de cet entretien. Mais avant qu'on se sépare, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances ces messages à nos militaires et FARDC. Je vais commencer d'abord à la population congolaise de Bounagana. Nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Et nous ne cessons du jour au jour d'alerter vos larmes qui tombent du jour au jour. Et on a toujours dit pour nos mamans qui ont été violées à partir d'hier et nos petits frères et d'autres. Il faut qu'on signale même qu'il y aurait mort même de 4 enfants aussi qui s'ajoutent aux 2 que l'armée rwandaise avait bombardé. Et j'ai dit aussi à nos vaillants de l'FARDC, nous sommes derrière vous, comme on l'a toujours manifesté. Ensemble, en 2012, on a dérouté ces terroristes et toujours ensemble, on va les dérouter. Tenez fort, ne soyez pas...